Bonjour à toutes et à tous, et aux autres aussi. Nous sommes aujourd'hui définitivement dans le pétrin. Bonjour Pierre Cross. Bonjour Benjamin. Vidéo qui nous a été demandée énormément, je crois. Aïe aïe aïe. Une nuit dans une maison hantée, elle est juste ici. Dans cette vidéo, nous allons devoir, et c'est le challenge, comme toutes les une nuit quelque part, nous allons devoir passer une nuit dans cette maison hantée toute la nuit. On dort là, Pierre. D'accord, le but c'est de rester jusqu'au petit matin. De rester aller hanté. Alors, il y a quelques happenings qui vont nous être proposés par la prod. On n'est pas au courant, on ne connaît pas la maison, on l'a même pas encore visitée. Qu'est-ce que je peux rajouter? Pardon si j'ai fait du mal dans ma vie. Voilà, c'est pas la peine de se venger avec des fantômes. Il y a déjà un qui s'est vengé tout à l'heure avec le... Des fantômes coiffeurs, ça va. Donc, Pierre, est-ce que tu acceptes le défi? Ah, bien sûr, de toute façon, maintenant on est là, il pleut, autant rentrer. On va se faire une petite visite de la maison et puis on va vite aller se coucher parce que le challenge, c'est d'aller dormir. Une question, on a une chambre chacun, on est solo? On est dans la même chambre, dans le même lit. Ça me va, ça. Ça me va pas. Déjà, elle est hantée. Déjà, à ce moment-là, c'est hanté. Je vous dis à tout de suite, Pierre, on va peut-être passer l'une des pires nuits de notre vie. J'ai peur d'avoir peur, en fait. Bah ouais, j'ai peur de pas me connaître quand j'ai peur. Essaye de réagir. Les cris, tu savais même pas qu'ils étaient aussi aigus? Ouais. Ceux-là, là. C'est parti pour une nuit dans une maison hantée. Ouais. Bon, c'est mignon. Pour l'instant, c'est fête foraine. C'est fête foraine, tout va bien. En même temps, c'est normal qu'elle soit hantée, on peut ouvrir comme... Elle se fait toute seule? Ah non, c'est ton biais. Oh là là, oh là là. Ah, déjà, ça c'est des... C'est... Ouais. On est tranquille, après toi. Non, et toi, après moi? Et là, il a eu peur. Mais oui, tout est dans le jeu d'acteur. Parce que toi, tu vas aussi me rajouter des trucs qui vont pas. Arrête, ça. Et j'essaye parce que d'accord. Je sais qu'il va y avoir des choses dans cette maison. Déjà, ce silence pesant. Tranquille. Ah, bienvenue dans la cuisine, voilà, frigo. Frigo avec des bières, j'imagine. Bon, voilà, un de... Ah, okay. Respect. Bon, là, il y a des... Ah oui, d'accord. Okay. Ouais, bon, d'accord. Okay. Non, mais c'est... Si vous croyez nous faire peur avec ça, en fait, c'est un challenge. Et je pense qu'ils se sont adressés aux mauvaises personnes parce que vous avez en face de vous des véritables... C'est des pierres, en fait. Non, on les tombe, on les tombe. Ça glisse. Qu'est-ce que c'est? Tous les meubles ont un petit truc d'horreur. Là, c'est le... Wow. Quoi? Il y avait quelqu'un. Non, je blague pas, il y avait quelqu'un. Mais non. Je te jure, il y avait quelqu'un. Donc là, il y a du bruit dans l'escalier. Non, mais là... Le problème, c'est que moi, je vais pas avoir peur. Non, bah on va découvrir un petit peu ce qu'il y a là-bas. Hein. Sympa ici. Sympa, c'est pas le mot. Vraiment, c'est une maison très très bizarre. Il y a des belles choses, effectivement. Bon, on est sur des têtes au milieu des corps. Très bien, pourquoi pas. Ça donne pas envie d'y rester. Putain, tu t'es fait peur. Chaque fois, j'oublie le truc des cheveux. Là. Non, très bien, jusqu'ici. Donc, on a fait un petit room tour. On va maintenant aller au cœur du challenge. Dormir? Moi, quand j'ai peur, je serre la personne qui est dans le lit avec moi très très fort dans mes bras. D'accord, donc j'espère que t'en as pas trop peur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des petites caméras pour nous. Parce qu'à un moment donné, les cadreurs vont devoir s'en aller. Et on va quand même rester seul dans ce manoir. Faut rester, les gars, non? Donc. On reste entre mecs, on dort tous les quatre ensemble. C'est comme dans Projet Blair Witch ou dans Rec. Oui. On a nos propres cas. Des films où les gens meurent à la fin. Tout à fait. Mais tu veux vraiment que j'aille dans cette pièce, là? Mais c'est pas la chambre, là. Voilà. Mais pourquoi on va là? Pourquoi on se fait ça? Mais je sais pas, moi, je découche, je fais des room tours comme toi. Qu'est-ce que c'est ça? Regarde les toilettes du diable. C'est pas les toilettes. Je te jure, regarde. C'est quoi ça? Judgment. On est jugé par un truc? Eh, regardez. Les caca en paix. En fait, j'ai vraiment envie de me coucher juste pour te dire, tu sais, c'est les maisons un peu. Vu qu'il fait froid, tiens. Oh là 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 là, mon dieu. Vas-y, j'éteins la lumière parce que. Bon, bah là, on va aller visiter. Bah, faut monter là. Tu la sens là, l'odeur hantée un peu là? J'ai peur là, j'ai vraiment peur moi. Putain. Ben. Ouais, non, mais pourquoi pas, hein? Ben pourquoi pas, parce que ça fait flipper. Il y a une petite porte au milieu de l'escalier. Tu vas voir? Ouais, vas-y, va voir toi.
Mais non. Vas-y, non mais flemme. Dans la phrase, tu veux qu'on les voir, il y avait on. Ils sont partis les cadreurs. Bah ouais, là, on est seuls tous là. Ah, c'est shot. On va dormir? Eh ouais, bah là, faut dormir, je sais pas, mais là, il est temps d'aller dans notre chambre. Vas-y, m'avance. C'est tranquille. Mais là, il fait noir, allume une lumière. Aussi, moi. Oh! Putain, mais regardez ça! Là, c'est creepy. Hein. Donc là, nous, on doit dormir ici. Regarde, Pierre, ça, c'est notre chambre. Regardez. Oh là là, là là, la poupée, j'aime pas ça. Regardez là. Ça, je crois que c'est le pire truc. Poupée dans une chambre, c'est le pire truc. Une carte encore. The Lovers. Qu'est-ce que ça peut bien pouvoir dire? Eh, ceci, eh, Bolly, on va de laquin. On va pas dormir là. Moi, je dors pas ici. Attendez, je vais essayer le lit. Oh, le vieux lit à l'ancienne, tout moelleux. Tu vois ce lit où tu t'enfonces? Oui. Oh là là. Oh là là. Mais attends, mais lui, il est pas horrible, hein? Il est pas horrible, lui? C'est pas ton... C'est Jojo. C'est Jojo. C'est Jojo. Attends, tiens-moi ça. Ah ouais, je t'enlève ton t-shirt pourri, là, et t'en mets un t-shirt trop moche. Oui. Enlève ça, Jojo. Bon, on est avec Jojo. Toi, tu passes la nuit avec nous. Ça me rassure presque. T'es là, mon mec. T'es là, mon Jojo, d'accord? T'es là. Bon, on va se brosser les dents, puis on va changer, les guys. On se retrouve dans la salle de bain. On va aller voir. C'est là, la salle de bain? Ouais. Non mais j'ai pas eu peur. C'est le Chupa Choup. C'est le Chupa Choup. Oh, on est pas... Eh, vous nous prenez pour des gamins en fait. En fait, on est des gros gamins, tu sais. On a pas peur de ça. On s'en fout de ça. C'était quoi? C'était un œil en fait, regardez. Un œil. C'était un œil. Ok. Bon, ça m'énerve. Je pense qu'il va y avoir des trucs. Bon. J'ai la plus grosse vision d'horreur depuis le début de la vidéo. Qu'est-ce qui se passe? Carrelage rose saumon. Oh, le Scorpio. Oh non! Là, on n'est pas serein. En vrai, on n'est pas du tout serein. Le pire, je pense, honnêtement, hein, pour le coup, c'est pas une fausse déclaration d'amour ou quoi. Hein? C'est s'ils nous séparent. Ah ouais. S'il y a une histoire d'un moment. Chacun dans une aile du manoir. Il y a un aile qui branche, c'est normal. On dirait qu'on allait faire une phase de clip du rap, mais des mecs qui ont de l'hygiène. On se brosse pas les dents. Ça, c'est rien. Ça, c'est un coup de vent ou un truc. T'inquiète, je connais. Ça, je connais, c'est rien. Ouais, enfin, c'est un coup de vent, un truc. Pourquoi il va venir, là? Et on, attends, regarde la vision, là. Regarde, regarde. Même le VST, là-bas. Bon, allez, moi, je l'expire tout seul dans le noir, je me couche. Non, attends, tu fais quoi, là? Bon, eh, là, on a bien rigolé, on a fait un petit room tour, on s'est brossé les dents, machin. Là, maintenant, c'est la nuit commence. La nuit, le challenge commence. Ah, je les déteste, ces couvertures, là. Regardez les couvertures. Oh là là! Tu fais tes vannes là! Eh, les couvertures moltonnées! Moltonnelles! C'est du PQ les couvertures! Oh là là, je me suis enfoncé! C'est les matelas, mais c'est des sables mouvants! C'est les matelas mouvants! T'as pris la place de la porte, hein? On est d'accord? Ah, putain, merde! Oh le bâtard! Tu fais tes vannes! Tu fais tes vannes, la moltonnelle là! Pierre, tu veux aller éteindre la lumière? La lumière allumée, c'est bien, non? Shifumi? Shifumi? Shifumi one shot? Ouais. Shifumi! Oui! Oui! Quoi au bout du lit, le truc noir là? Non, 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 mais non, là! Ah non, ça c'est le t-shirt de. T'as eu peur? Mais non, j'ai pas eu peur. Où? T'es où? Attends. Non, arrête, rigole pas! Viens, arrête! Non, arrête. Tellement pas envie de dormir. Ça va, tranquille. Eh, tu sais quoi? Gros bonhomme, t'inquiète. Ah, ouais. T'inquiète. Eh, on est deux bonhommes ici, hein? Eh, on a pas peur, hein? Eh, vous croyez quoi là? Bah, tranquille, hein? On va dormir. Ah, pardon, j'étais déjà en train de dormir, excuse-moi. On est quand même pas dans notre état normal. J'ai une position que j'ai jamais eue dans un lit. On n'a jamais fait de jeu de mots. C'est la peur. Du coup, vu que c'est une maison hantée, on va faire des jeux de mort. Ça, oh, il est pas ouf, mais pour là... Là, pour la situation? C'est incroyable. T'es là, hein? C'est quoi? Putain, c'est des portes mal huilées, putain! Peuvent pas mettre un coup d'huile. C'est rien, non? Bah, c'est pas le bruit tant que ça, plutôt que le pourquoi il s'ouvre. Bon, ça devait être un coup de vent, faut arrêter de mettre les conneries là. On va dormir et puis c'est tout. En vrai, t'as peur? Bah, je me dis que j'ai même pas faim. C'est là que t'as un niveau de peur extrême là. Là, on te donne des nuggets, t'as même pas envie. Non. Putain, Pierre. Allez, bonne nuit. T'as entendu une voix en vrai, t'as? Il y avait un comme un chant d'enfant. Je crois que c'est ma plus grosse peur. C'est un challenge à passer. On a fait une nuit en Islande, on a fait des nuits à 50 mètres d'altitude là. On a fait des nuits dans des ravins, dans le vide. Oui. Donc ça va. On peut dormir dans une maison voilà, qui n'a pas été rénovée. Qu'est-ce qu'il y a à la porte? Non, mais c'est bon, on s'en fout. Non, vas-y, c'est terrain. Putain, mais il y a du vent, c'est tout.
y a une gosse qui se promène dans le couloir. Ouais, elle fait de mal à personne, concrètement. Mais... si tu viens pas dans la chambre, t'as le droit de t'amuser jusqu'à 22h. Hein. Tu peux prendre la play. Y a rien ici, hein. On a rien, j'ai même pas mon téléphone. Le mien, il a plus de batterie. Non, en vrai. Tu sais, y a la petite, ça fait petite berceuse un peu, je trouve. Ouais, puis il y a le côté, c'est les gosses, c'est comme quand tu vas à la plage, les gosses, ils jouent. Et tant qu'il n'y a pas le sable dans la gueule, moi, ça me va. Le rire. C'est pire que je dis, hein. Mais si on va voir, on va voir à deux, Pierre. Et moi, j'ai chaud, tu sais, je suis un peu frileux, moi. Non, viens, on va voir. Venez jouer avec moi. Oh, putain de merde. Elle a dit, viens jouer avec moi. Ouais, mais j'ai même pas ma Play, j'ai rien. J'ai même pas ma Switch. Attends, je mets un peu de lumière. Attends. Quoi? Comment se passe? C'est pareil, là. Quoi? Déclinez votre identité, si, y compris si vous avez un deuxième prénom. La salle de bain, on avait éteint. Attends. C'est où? On n'a pas peur, hein. C'est pas à nous que tu vas nous la faire. La salle de bain, on avait... Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Mais alors... C'est qui, là? Y'a quoi? Y'a un truc, là, y'a... Là, vas-y, toi. Mais vas-y, t'es en premier. De derrière la porte? Derrière la porte, y'a un truc. Non, je n'ai même pas envie d'aller derrière la porte, à la base. On allume la lumière, hein. C'est où? C'est en bas? Y'a le petit frisson, en vrai. Bon, bah, j'ai envie d'aller me coucher, maintenant. C'est bon, stop. Bon, ça a fait du bien de faire des petites pauses, aussi. Voilà, et puis au final, on s'est rendu compte qu'il y avait rien du tout, que tout allait bien. Ça a pas duré 20 ans, ça, hein. Allez, on éteint. Et la gamine, on l'a pas vu, hein. Fais la maline. On va passer ton brevet, là, on reparle après. Tiens, j'en ai une quand même. À prendre en compte avec le niveau de peur. Hein. Bien sûr. Une fille qui habite ici et qui arrive à l'année du bac, elle est en quelle classe? Elle est en terminale. Elle est en terminale, ok, très bien. Oh, oui, bien sûr. Oh, bah c'est tranquille. C'était facile, cette vidéo. Ouais. Il y a une musique. Oh, ça m'a réveillé. Moins fort, s'il vous plaît, la musique. Oh, je dormais. On fait quoi? On va l'éteindre. Bon, on va l'éteindre à deux, hein. Je veux pas l'éteindre tout seul, hein. J'ai aucune envie d'y aller, hein. J'étais en train de dormir, moi, hein. Fais gaffe. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas un peu serein, là. Là, on arrête, hein. C'est à l'autre bout de la baraque, hein. Vas-y, entre! Mais faut qu'on aille éteindre! On va éteindre! Mais va éteindre! Viens! Stop, je l'arrête là! Mais c'est bon là! Je vais dégager, hein. Attends! Il y a un bruit. Il y a un bruit? Qu'est-ce qui se passe? Mais ça, c'est normal. C'est quoi? C'est l'horloge. Ça faisait pas ce bruit tout à l'heure? Mais j'en peux plus de cette maison! Oh! Hein? The Tower. Sur la chaise? Comment on arrête ça? Pourquoi la chaise elle fait ça? La chaise elle bouge, les gars. Hein? Mais comment je l'enlève ça? Ça me fait pas rire! Ça me fait pas rire! Non, mais arrête ça déjà! Vas-y, je m'en fous, je vais dans mon lit, là. Attends, on était bien. Mais comment on l'enlève, ça? J'étais en train de dormir, moi, là-bas. Mais tu casses-le! Voilà. Vas-y, moi, je vais dans mon lit, là. J'ai envie de vomir.
Je suis mauvais, j'ai envie de vomir. Vas-y, moi je rentre dans mon lit là. On y retourne. C'est bon là. Tu dormais pas bien toi? Si, si, c'est trop bien, mais là attends. Ah, moi je vais me coucher, j'en ai marre. Quitte à voir le fantôme, je vais me coucher, moi c'est bon. Attends, attends, la chambre est allumée, t'es là? Je sais pas. Tu vas. Attends, par contre, la lampe n'a pas éteint. C'est toi qui éteins, hein. Moi je me couche, hein. C'est bon. Oh, elle a gribouillé nos noms, Annabelle. Il y a une nouvelle carte? The Devil. Toi t'es débile, toi, ouais. Non, The Devil, pas The Débile. Ah! Ah, je me couche, moi je. Vidant pas les fantômes, là, deux minutes, quoi. Attends, en vrai, on va dire que je suis courageux. Mais elle est obligée d'être là? Oui, mais elle est tranquille, elle doit aussi être là. Mais elle est là, elle te menace, elle est... Mais elle menace rien, elle a gribouillé des choses comme une gosse. Et moi, je dis, elle a hanté cette maison. Hein. En vrai, je m'étais endormi, là. Ah, ça m'a réveillé de ouf. Ils peuvent pas faire ça la journée, les fantômes, là, comme tout le monde. Oh, la chaise qui bougeait. Donc même les chaises, elles ont des fantômes. Genre, c'est une chaise morte. Ouais. Un bois de... C'était dans un atelier d'ébéniste, quoi. À l'ancienne. C'est Pinocchio. Mais déjà, pourquoi il y avait un métronome sur la table? C'est le fantôme d'un musicien, il a besoin de battre la mesure. La crosse, il a poussé des cris. Hein. On l'a à la cam. Hein. Mais non. On l'a à la cam, ça. Hein. Elle m'oppresse, la poupée. Là. Je la vois, là, dans le noir. Bon, bah, bonne nuit. En vrai, j'étais pas si fatigué jusqu'à maintenant. Là, bonne humeur. Moi, je trouve que ça dort pas mal pour des mecs qui ont vu des chaises bouger toutes seules. Hein. J'ai plus la force pour avoir peur, là. Faut de la force pour avoir peur. Ouais, la limite, si quelqu'un vient, j'aurai pas peur, là. Oh, ça épuise d'avoir peur. Tu crois qu'on va la croiser, la petite fille, hein, ou... Je sais pas, mais elle pourrait se présenter, quoi. Bon, là, on est obligé d'aller. Piano, piano. Piano, là. C'est en bas. Vas-y, rebelote, là, on y va, là. Oh, putain de merde! J'en peux plus, cette vidéo, elle m'épuise. Elle m'épuise. La fille, elle me fait flipper. Tout va bien? Vous êtes fait mal? Faut faire un constat, un truc? Vous avez de la pommade? Hein? Comment ça, vous avez... Eh, vous découpez personne, hein? Il a déjà fait le boulot, le coiffeur, hein, c'est pas bien fait. Eh, vous découpez plus, hein? Putain, mais c'est quoi ces fantômes? Ils poussent la chansonnette, ils se cassent. C'est des forains? Peut-être c'est la femme de ménage, juste. En fait, c'est du ménage de nuit. Ouais, non, c'est rien, franchement, à mon avis, tu te fais des soucis pour rien. C'est du ménage nocturne, et non pas du tapage nocturne. Oh, il allait chercher loin. Le caca au lit, là, c'est parce que t'as eu peur ou... Mmh. Ah non, ça, c'est un kiff perso. Ah d'accord. Ouais. Pourquoi c'est obligatoirement méchant, un fantôme? Il, je sais pas, ça peut, il peut pas chanter « Il en faut peu pour être heureux ». Ah ouais? Ouais, même, tu vois, il peut chanter un peu de The Weeknd, un peu de Pharrell Williams. Happy? Mais oui. « You want a happy one along and if you feel like reggae on in the mood ». Pour chanter comme ça, je préfère franchement les fantômes. Je pense que si on la croise tout à l'heure, là, je lui poserai la question. Ouais, ne serait-ce que pour faire les présentations, quoi. On est dans la même maison, pas un bonjour. Moi, je vais lui dire, c'est vous qui avez chanté cette nuit? Moi, je vais lui dire, moi. Pareil, là. Qui c'est qui a laissé traîner ses organes dans la salle de bain, là? Ça se fait pas. Moi, je laisse traîner deux poils dans la baignoire. Ça, ouais? Ta gueule de tous les côtés. Non, je suis pas content de la coloc, là. Si celui qui hante la maison, c'est un fromager, c'est un fantôme de sa voix. Bah après on a le... Si c'est le fantôme d'un chat et d'une souris. Fantôme et Jerry? Bah ouais. Mais c'est quoi ça? Ah, tu m'as tué, moi! C'est quoi? Y'a quoi? Y'a quoi? C'est quoi du coup? Mais y'a un truc ici, hein. Par exemple, il veut communiquer en morse. C'est des travaux, ça? Oh putain, j'étais en train de dormir! Oh là là! Oh, quelle histoire! J'ai mal à la gorge, mais j'ai trop crié. J'ai trop serré ton bras. Ah ouais, comment t'as appuyé? Y'a quelqu'un? La porte est ouverte. Non, elle est pas ouverte. Si. Elle est ouverte? Ouais. Bon, bah, viens nous tuer comme ça c'est fait, quoi. Oh, j'en peux plus, moi. J'en peux plus d'attendre la mort. Oui, bonjour. Qui est ouvert? Je sais pas, moi, je parle pas fantôme. Ça se trouve, c'est un voyeur. C'est un mec qui veut regarder les gens dans leur lit.
Et on est habillé, hein, y a rien à voir. Ça a duré 3 minutes et Elle fait ce qu'il veut. Il pouvait pas tant de plaisir que ça. Il est majeur. Tu fais quoi? Moi je prends la poupée là. Peut-être qu'en fait c'est une poupée qui va nous protéger ça. Mais tu la mets sur moi là. Mais vas-y, elle va nous protéger. Mais quoi, elle va protéger à toi? Avec ce lit à baldaquin du 18e siècle là. Ça se trouve, il y a des rois qui sont morts dans ce lit. Tu sais, il y a des femmes qui sont mortes en accouchant ici là. Oh, sa mère. Vous partez là, hein. Vous partez là. Il faut partir là. Sa mère. Ah, oh, putain. Non. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Non. Eh bien, elle a fait quoi là? Elle a acheté un truc là. Putain, y a pas de poubelle peut-être? Mais je sais pas qu'est-ce qu'elle a acheté. Attends. Tu vas là? Elle est plus là, elle est plus là. Elle a acheté quoi? Ah! Elle m'a acheté un cafard! Non, mais bah, attends. Non, mais tu dégages, hein! Dégage! Viens, on se casse. On se casse d'ici! Je sais pas, j'ai un peu me casser, mais j'ose pas! Attends. Vas-y, vas-y, vas-y. Et je me casse de cette maison de merde! Attends, les clés, les clés, les clés! J'en ai rien à foutre. C'est toi qui conduis, hein! Mais la lumière! La lumière! Merci à tous! C'était une nuit dans un château hanté! On ne reviendra jamais! 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 Allez, Max, tu peux accélérer sinon je vais te faire du mal! Même là, il y a des bruits! C'est du gravier! Ciao! D'ici là, hein!